Bonsoir à tous les amis, c'est Valmore 333. Je suis en compagnie de, dans l'ordre, Fanny et Alapachi dans la colle. Où est-il? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est présent? Il est en train de faire mumuse. Si tu triches, là, tu triches. Tu triches. Parce que Il y regarde, en a un qui a oublié. si on l'attente de loin. Voilà, c'est de la merde. J'ai oublié de couper ton autre micro. Ah, le micro de Discord. Alors, une petite seconde. Oh, il y a un cadavre. Et comme ceci, le micro de Discord est coupé. Tout à fait. Oh putain, à chaque fois je me fais avoir. Alors, Kitty, vous viendez ou bien? Alors, il faut qu'on mette le ma Ah, mais le matériel a déjà presque été intégralement mis. C'est une bonne chose. Alors, la crucifade, les caméras frontales, ça peut valoir le coup qu'on en prenne. Alors, on remarque pas sur cette map-là. On a déjà prévu les deux maps, hein, les amis, sur lesquels on va s'amuser sur Phasmo ce soir. Les bâtons dansants des sardines, c'est le cochon qui s'en occupe. C'est une petite référence, hein, parce que je pense que les gens ne le savent pas avec le temps. Même le cochon, peut-être, ne sait pas d'où vient cette petite. Cette private joke du bâton dansant des sardines. Ça vient de Retour vers le futur. Oui. La petite Retour vers scène le futur. où la mère de Marty explique comment elle a rencontré son père. La féerie dansante des sardines. Voilà, la féerie dansante des sardines, c'est ce que dit la fille, la sœur de Marty. Féerie dansante des sirènes. La Ridge View, on a dit la Ridge View, hein. Professionnel, bien sûr. Aujourd'hui, hein, calme. Aujourd'hui, calme. Et surtout quand on va voir la map d'après, les amis. Hein. On a bien raison d'être calme. Il manque une personne, toujours la même, en train de jouer avec les anneaux, bien sûr. Ça va? Allez, je me mets prêt. Quand même. Quand même. Bon, les amis. Petite modification, je pense que vous avez peut-être remarqué depuis le début du tournage. La luminosité, je l'ai augmentée légèrement parce que quand on regarde les vidéos sur la chaîne, on voit pratiquement que dalle. Donc j'ai augmenté un peu la luminosité, c'est beaucoup plus agréable, ne serait-ce que pour moi aussi, hein, parce qu'il faut savoir que dans le jeu, la luminosité, elle est à zéro, hein, en fait. Et j'ai beau avoir un assez bon écran, ça ne change rien. Yo, je fais caca. Alors, du coup, j'ai toujours le bug de son. Je me reconnais le cochon, problème de micro. Ouais, Laisse-moi évidemment. faire caca tranquille. Tu m'entends? Tu m'entends? Tout à fait. Tout à fait, très bien. J'espère que ça ne va pas avoir d'impact sur la tournette, mais normalement non, puisque les deux périphériques de son sont gérés indépendamment. Bon, Fanny, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est perdue sur le chemin du chargement ou quoi? Bon, attends, ça va redérégler mon micro. On est bon, vous m'entendez? Allô? Oui. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Les clés, Ted Hans, sacré nom ça. L'échappade, la santé mentale et l'éteignade de bougie. On prend le matos qui va bien et on est parti. J'aimerais bien qu'il fasse ce temps-là en ce moment, hein. Notamment. Je vais à l'étage. Ted Hans, bonjour. Que voulez-vous? Quel âge avez-vous?
Où êtes-vous? Pas ici, de toute évidence. Que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est chiant, les amis. Depuis la dernière mise à jour, ils ont modifié le système de son. Alors, ils ont remis une mise à jour, un petit patch depuis en disant qu'ils avaient remis l'ancien système, mais il y a certaines phrases qui sont plus détectées par la Spirit Box et c'est très désagréable. Genre le « Que voulez-vous ?» Voilà, qui n'est pas détecté. Ah si, ça y est, il l'a été. Un peu tardif, hein. Bonjour. Le bonjour, ça marche à tous les coups, ça. Bonjour. Il n'y a rien là-bas. Bonjour. Bonjour. Où êtes-vous? Bonjour. Fanny, elle est encore partie Fanny. Se planquer. Elle va se planquer ici, Fanny. Tu sais que c'est une bonne planque, celle-là, elle marche bien, apparemment. Ah, Fanny, on l'entend pas? Tu parles, Fanny? Ah oui, on ne t'entend pas. Il faut que... Tu crois qu'elle serait là? Ah bah oui, il serait là, effectivement. Sors de la pièce! Sortez d'ici, tout de suite! Où êtes-vous? Que voulez-vous? Quel âge avez-vous? Bon, pas de spirit box, pas de spiritueux. Fanny, il faut que tu règles ton son dans les options. Tu fais échappe, option, audio, et tu changes le micro et tu regardes un peu ce que tu peux faire. Interrupteur, oui, j'ai pas regardé, attends. Trop tard, ça a disparu. Oui, mais l'empreinte, elle, non. Elle dure 2 minutes. Enlève ta lumière. Non, pas d'empreinte. Pas d'empreinte ici non plus. Et pas d'empreinte... Elle est où l'interrupteur, là? Ici non plus, ok. Le matériel. Zébardi. On ressortira ce matos si besoin, si nous ne sommes pas satisfaits. Je ne suis pas satisfait, Bob. Pas satisfait. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme matos? Fanny a déjà dû mettre le bouquin. Fanny met le bouquin, bien sûr, dans la pièce en question. Et règle ton son, s'il te plaît. Est-ce qu'on a trouvé... Oh fuck, fuck. Oh merde. On a nulle part où se planquer. À l'étage. Par contre, on a vraiment nulle part où se planquer à l'étage. Au sous-sol. Ouais, faut qu'on aille au... T'as dit au sous-sol ou au garage qui est son dispo? Sous-sol uniquement. Sous-sol uniquement. Ça marche. Fanny est toujours en vie. C'est une bonne chose.
On va peut-être prendre des pilules hein, quand même. Regarde, elle est dans la salle. Mais elle est pas du tout cachée. Ah si, c'est vrai qu'il y a une planque ici. Ah bah du coup elle va plus bouger de la partie. C'est comme si elle était morte en fait. Une caméra ? Oui, je l'avais mais je l'ai jeté dans la panique. Je l'ai jeté dans la panique. Il était bien dans la pièce en question. Hein. Prends des petites pilules, mon cochon. Qu'on soit bien. Elle va se refaire... Voilà, elle va se refaire attaquer. Cherche pas, ça attaque. Est-ce qu'elle disparaît ? Tout ce qu'on sait, c'est que c'est plein d'hydrogène. Oui. Oui. Probablement pas un déogène, effectivement. On peut le supprimer. Il est pas loin de Fanny. Hein. Je vois rien. Bon, Fanny est toujours en vie, mais la santé mentale, c'est pas ça. Hein. T'as dit que dans le garage, hein, c'est ça, c'était dispo. Je crois. Bon, sors de là, toi. Va prendre des pilules. Ah, EMF5, mon cochon, peut-être. L'EMF, t'as pas l'EMF? Il a écrit dans le livre. Écriture dans le livre. Photo. Est-ce que la porte va se refermer sur le cochon? Non, c'est bon. Orbe fantomatique. Donc nous avons écriture orbe. Ce qui nous élimine le déogène automatiquement et les empreintes. Il y a une attaque ou pas? Non, il s'est juste montré. Là par contre, ça attaque. Et vous pouvez ajouter le dot. C'est un taillé. Ça explique pourquoi est-ce qu'il était aussi vénère. Plus notre santé mentale diminue, plus il est vénère, je crois que c'est ça. Hein. Ou c'est le mot roi, ça. Non, c'est qu'il s'affaiblit avec le temps, celui-là. C'est le mot roi qui devient de plus agressif quand on perd la santé mentale. Alors là, c'était pas du Dots, là, c'était bien lui qu'on a vu apparaître. C'est bon. C'est un taillé. Bon. Petit appareil photo. Il y a plus d'appareil photo? Non. Je l'ai mis dans la chambre, mais je sais plus où. Bah, il y en avait deux. Oui, l'autre, je l'ai épuisé. Ah, d'accord. Oui, du coup, c'est forcément taillé. Oui, c'est un taillé. Il faut qu'on trouve l'os, il faut qu'on lui échappe, il faut qu'on passe en dessous de 25% de santé mentale, et il faut bien évidemment éteindre une bougie. Je m'occupe de la bougie. Je m'occupe de la bougie et je récupérerai un appareil photo au passage. Toi, tu prends de l'encens. Pour l'échappade. Tu m'as dit le garage, c'est ça, tout au fond? Non. Pas le garage, le sous-sol. Le sous-sol? Ça fait pas très loin le sous-sol, il va venir nous embêter. J'ai oh merde Fanny. Oh merde. C'est une santé mentale aussi. Fanny, attends, on va aller la voir, Fanny. Ça va? Ça va, Fanny? Ça va? t'inquiète pas, il est pas là le fantôme, il est pas là. T'inquiète pas. Tu risques plus rien. Il monte à l'étage, il est con, il monte à l'étage, c'est bon, tu risques plus rien, il monte à l'étage. Allez, go, la bougie. Hop. Alors, t'as dit l'appareil. C'est celui-là qu'on a encore, oui. Faut qu'on trouve l'os. Il est à l'étage, l'os. T'as pris en photo le bouquin?
T'as pas pris en photo le bouquin? Non. Ouais, c'est bon. Oh merde! Vas-y, tu vas prendre en photo, vas-y. Vas-y, vas-y, je le tente, je le tente, je le tente. C'est bon, c'est dans la poche! Ils sont un petit peu cons des fois. Ça va, Fanny? Il faut qu'on règle son son après parce que ça va pas. Ça. La photo du fantôme. Il se comporte pas du tout, comme on t'a dit. Si, bah il s'affaiblit quand même avec le temps, non? Si. Il attaque souvent quand même. Bah qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Ça peut pas être un mimique, hein? Non, mais c'est clair. Que les orbes ne soient pas des orbes. Bah, il manque surtout la température glaciale pour un mimique. Et les empreintes. Qu'est-ce que. Attends, on a la photo. Oui, c'est l'os qui nous manque. Donc il faut que j'aille chercher l'os. Bon, reste là, Fanny. Reste dans le camion. Ça sera plus sûr. Je vais la tenter. Dans la salle là où que j'étais. Ah ça y est, c'est réparé, t'as réparé ton micro. L'os, il est dans la salle là où que j'étais sur le tapis. C'est une colonne vertébrale. Vertimbale, ok, ça marche. Bah je vais la prendre vite fait en photo. Il est pas seul. Nickel. On a tout ce qu'il nous faut, je suis pas sûr. Si. Ah ouais, on a tout ce qu'il nous faut. Eh ben c'est parfait. Donc, c'est quoi? C'est un taillé. C'est un taillé, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Oui. Après, il dans le livre. Après, il s'affaiblit, certes, mais il s'affaiblit pas non plus à un point de devenir totalement inactif. Hein. Oui, il a écrit dans le livre. Oui, oui, il a écrit dans le livre et j'ai pris la photo. D'accord. Bon, allez, go. Bon, c'est bien, ton micro est réparé. Ouais, pendant que j'étais planqué. Il nous met un petit peu d'encens pour que ça sente bon dans le camion. C'était effectivement un taillé. Bien sûr. Le taillé. Un taillé. On a dit la Brownstone High School. En professionnel. Une map infâme s'il en est. Ça c'est le bruit du soupir de Fanny qui n'a pas envie de mourir dans la Brownstone High School. Elle est chiante cette map. Faut qu'on prenne des caméras frontales cette fois. Faut qu'on prenne une deuxième caméra avec trépied. Quelqu'un l'a peut-être déjà ajouté. Oui c'est bon. Hein? C'est bon. La caméra frontale, caméra vidéo aussi, c'est bon. Il y en a trois, c'est bon. Détecteur de mouvement 2, ça devrait le faire. Alors, je pense qu'on est bien là. Zébardi! Brownstone High School, qu'on a rarement fait en tournage, les amis, parce que c'est long. La Brownstone High School, généralement, c'est au moins 30 minutes de. À rester dans le sur les lieux et des attaques à répétition. Si c'est un déogène, on le saura assez rapidement. Si ça ne l'est pas, on le saura aussi assez rapidement. On va attendre que Fanny soit là pour que je règle mon micro, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est très chiant ce nouveau système parce qu'avec l'ancien, j'avais pas ces coupures de micro systématiques quand les gens rejoignent la partie. Mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude, hein, bien sûr. Une grande map. Hein. Parfait. On t'entend pas, on a pas le choix. Oui, c'est normal.
Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde me voit? Parfait. Capteur de mouvement, lecteur Martinez et la crucifade Shannon Baker. La private joke également du lecteur Martinez, je vous invite à regarder les tout premiers épisodes de Phasmophobia qu'on a fait avec le cochon. Et vous comprendrez cette private joke. Le lecteur Martinez. C'est parti! Alors, qui prend quoi? Vous prenez en bas, là, chacun de son côté, moi je prends en haut. Bah là vous allez au même endroit tous les deux. Voilà, Fanny va de l'autre côté. Fanny, on t'entend pas? Parle. Règle ton micro comme t'as fait tout à l'heure. Ça doit te faire la même chose que moi à mon avis. Et regarde l'angle de la porte, j'aime bien. Je ne comprends pas. C'est mieux? Oui, c'est mieux, merci. Ok. Alors, Sharon Baker, donnez-nous un signe. Maintenant, on va l'entendre dire Sharon Baker, donnez-nous un signe. Sachant que si votre micro marche pas, les amis, hein, tout ce que vous pouvez dire aux fantômes ne marche pas non plus. Ah! T'as entendu comme moi? Quoi? Un téléphone sonner? Non. T'as pas entendu mon cochon? Non. Mon cochon? Non, je l'ai pas entendu. T'as pas entendu? J'ai entendu un téléphone sonner, j'en suis quasi sûr. Là, tu l'as entendu quand même? Mais non! Non, pas du tout. À l'étage, on l'entend, je sais pas dans quelle pièce il est. Où êtes-vous? C'est Sharon ou Shannon? Shannon Baker? Je suis quasi sûr de... Il y a forcément un téléphone qui sonne. Tiens, tu l'entends là? Il est où? Shannon Baker, donnez-nous un signe. Où êtes-vous? C'est ce téléphone-là que vous faites sonner? Il me dit ça. Vas-y, va par là, mon cochon. J'ai l'impression de l'entendre par là, le téléphone. Non. C'est par là-bas. T'as trouvé? Je l'ai entendu sonner. Où êtes-vous? Sharon Baker, donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Où ça? Je l'ai. Ici. Où êtes-vous? Dans cette pièce-là. Que voulez-vous? Ici. Quel âge avez-vous? Bon, je laisse la spirit box sur le bureau. Mais je suis persuadé que c'est ici. Voilà que ça ressonne. Shannon Baker, donnez-nous un signe. Ça va attaquer dans pas longtemps. Hein. Faut qu'on se méfie. Bah moi, je vais être obligé de faire déjà. Attends, sortons de la pièce, voir si ça ressonne. C'est peut-être l'autre d'à côté. Hein. Shannon Baker. Le téléphone là est décroché. C'était peut-être plus celle-là. Ouais, c'est bien l'autre. On va chercher le matos. Ouais, je mets le bouquin. Vas-y, mets le bouquin. Le matériel.
Il y a du matériel. Je vais laisser le lecteur d'empreintes. Et dans le couloir, j'ai 0,5. Ah, c'est peut-être dans le couloir, hein. On va installer une des deux caméras dans le couloir aussi. Fanny a des basses températures dans le couloir. T'éloigne pas trop, Fanny, ça va pas tarder à attaquer. J'espère que les amis, vous profitez de la luminosité un petit peu plus élevée. Je le souhaite. Bon, on a réussi à trouver la pièce dans laquelle je pense que cela se passe. On pourrait peut-être se prendre une petite pilule, mon cochon. Ouais. Histoire d'assurer nos arrières. Il y a un peu d'activité, Fanny. Rien de bien méchant. Hop. Petit dot. Allez, go. On va déjà installer ça. Mettez vos caméras frontales aussi. J'ai mis la mienne. Fanny, il faudra que tu ailles prendre une petite pilule. Quand Fanny ne répond plus, c'est que c'est la merde. Tu t'es perdu, Fanny. À vous. Oui, j'étais perdu, mais je suis dehors. Oui, mais t'es dehors de l'autre côté. Il n'y a pas de sortie à cet endroit-là. Pas d'ordre. Il n'y a... Ah oh ! Ça allait te crier dessus, mon cochon. J'ai vu, tu sais, l'espèce de petite fumée noire blanche. Fumée noire blanche. Ouais, qui est apparue ici, à cet endroit-là, et qui a disparu instantanément. Ça allait te crier dessus. Et je ne vois pas d'orbe. Et du coup, je regardais dans la pièce juste à côté. C'est très étrange. On va laisser la porte ouverte au cas où. J'ai un dots, hein, donc pas d'inquiétude. Fanny, t'es encore au camion ? Qu'est-ce que t'as dit ? Non. Bien, ben, on peut regarder où est le disjoncteur. Ah bah oui, je sais pas où il est. Hein. Pour le coup... Ça attaque. Non. Non, ça n'attaque pas, effectivement. J'ai entendu des portes se flanquer, c'est pour ça. C'est moi. J'ai pas réussi à ouvrir la porte de sortie en bas. Tiens, je te vois là-bas. Là, tu... Là! Viens prendre ta pilule. Ouais, je reste dans le camion maintenant. Oui, mais prends ta pilule quand même. Ouais. Voilà, c'est beaucoup mieux. La détectade, eh ben ça peut être une bonne occasion de s'en servir, tiens. Je vais prendre les deux. La crucifix. Il y a une caméra en haut. Oui. D'ailleurs, faudrait qu'on voit s'il y a du dots. Ça doit être la toute dernière, la 18. Hop. Ah non, c'est la frontale, celle-là. La 15. Non. 16. Ouais. Ah, c'est la 16. La 16. Enlève ta lumière, mon cochon. Je connais bien là.
Il n'y a pas d'orbe et on voit pas de dots pour l'instant. Ouais, c'est bizarre. Je vais installer les détecteurs, j'ai pris les deux. Ça peut valoir le coup, ouais. Je pense. Étant dans le couloir. Faudrait que tu viennes prendre une pilule, mon cochon. Ouais, je vais en mettre un dans le couloir. Est-ce que je prends le crucifix avec moi ou est-ce que tu viens avec le crucifix et tu le poses? Comme ça, je peux mettre les deux détecteurs. Vas-y, je peux venir. Prends un crucifix, on va le poser. Il faudrait qu'on trouve avec le lecteur Martinez des preuves. Prends un Martinez. Bah, je peux le prendre. Attends, je peux enlever ça. Je peux prendre. Allez, go. Vas-y, va prendre ta pilule, mon cochon. On prend le relais. Contrairement aux maisons, ici les planques ne sont pas. Elles ne s'enlèvent pas toutes seules. Préviens-nous si ça attaque, mon cochon. C'est pas où, putain? Hein? Là? Où est-ce que t'es? Là, c'est par là. La pièce là-bas, ouverte. Là-dedans. C'est la bonne pièce, hein, sûr. Elle a pas écrit? Elle a écrit dans le livre, hein? Écriture dans le livre, mon cochon. C'est bien ça, c'est bien. La porte! La porte, la porte! Mon lecteur d'empreinte. Il est sur la table, il est sur la table. Il est où mon lecteur d'empreinte? Il est là. Là, t'avais une empreinte. Le Martinez! Approche le Martinez près de la porte, là. Vite, 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 vite! Mais t'es marrant, toi. Ça y est, deux, là. Oui, mais là, ici, porte. Cette porte-là. Ah, ça y est, j'étais à deux, alors, de l'autre côté. Allez, viens. Il y a un peu d'activité. Bon. Au moins, on a une preuve, déjà. C'est déjà ça. La dernière fois qu'on est venu ici, on n'avait même pas de preuve. Bah c'est quoi ta deuxième preuve ? On a deux preuves. Le livre. Bah oui, mais c'est quoi la première alors ? Le bouquin et l'empreinte. Mais y a pas d'empreinte. Bah si. Tu rigoles toi ? Y a une photo d'empreinte. Mais non, y a pas d'empreinte. Ah bah. Putain. Moi j'ai vu des empreintes sur une des portes. Hein. Bah j'ai rien vu, c'est moi qui ai le lecteur d'empreinte. Dans la salle où qu'elle était, il y avait une empreinte derrière la porte. Mais comment t'as fait pour le voir si tu n'avais pas le lecteur d'empreinte? J'avais pas le lecteur d'empreinte, mais ça se voyait à travers ma lampe. Ah bah non, c'est impossible. Les empreintes ne se voient qu'avec... ça devait être autre chose. Alors... Oh bah ok. On a dit écriture. On revérifiera les empreintes parce que je veux être sûr. Mais elle va nous faire perdre du temps avec ces bêtises là. Bah, j'en suis sûr hein, puisque c'est même là que j'ai eu le MEF niveau 2. Il y a pas d'orbe. C'est même pas ta porte que j'ai. Il y a pas d'orbe, il y a pas de dots. C'est même pas ta porte que j'ai eu le MEF, c'est à ma porte à moi là où j'étais dans oui, la salle. Bah, j'ai vu, j'ai entendu surtout. C'est pas la Spirit Box, même s'il faudra que je retente. Ça peut être le MF, hein. Et la température glaciale aussi. Le MF,
Et l'autre caméra, je l'ai pas installé l'autre caméra. On va installer l'autre caméra avec l'autre dots dans le couloir. Quelqu'un pour prendre le lecteur d'empreintes? Je vais pas. Fanny. Lecteur d'empreintes. Ça y est. Ouais, enfin c'est pas l'idéal ce truc là, mais oui si tu veux. Et rien ne vaut le bon vieux lecteur d'empreintes. À partir de maintenant, nous sommes exposés au danger. C'est là que c'est une mauvaise idée de venir tous ici sans garder quelqu'un pour vérifier quand ça attaque. Empreinte, je suis pas folle. Effectivement. Oui. Elles restent longtemps leurs empreintes là. Je pense que c'est par la grandeur de la map. Mais comment ça se fait que t'as pu voir? Je crois que ça attaque. Oui. Oui, elle attaque. Viens, suis-moi. Si c'est un déogène, on est dans la merde. Heureusement que j'ai dit de me suivre. C'est bon. Là, Fanny. Ça va, mon cochon? C'est pas un déogène. C'était pas un déogène, effectivement. De toute façon, ça peut pas être un déogène. Bah, j'ai pas vérifié avec les empreintes ce que ça peut être. Bah, c'est peut-être que soit un poltergeist, soit un démon, soit un Mylin. Poltergeist, ça me paraît compliqué. Il a bouffé du crucifix. Un démon, Mylin. Le démon, ça me paraît compliqué aussi. C'est vrai que ça peut être un Mylin, parce qu'on n'entend pas, c'est brut pas. Ouais, et ça serait l'EMF niveau 5, et ça correspondrait. Prenez chacun un EMF, si vous avez. Je vais laisser le mien là-bas. Tu l'as laissé, et toi, t'as toujours le tien, Fanny? Non, je l'ai acheté. C'est malin ça. Dans le camion. Et il nous manque aussi l'objet de la cursette, bien sûr, et également l'os. Oh, introuvable, ce map-là. Ouais, va le retrouver là-dedans. En règle générale, ça doit être proche de l'entrée, comme pour les maisons. Eh ben, c'est parti. T'as un appareil? Oui, j'ai un appareil. Si j'avais. Je vais prendre... Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Je vais prendre ma spirit box au cas où. Je réessaierai. J'en ai laissé une là-haut, de toute façon. Mais rentre! Rentre là-dedans, Fanny. Attaque. Ah.
mon avis, c'est un mailing, je pense. Cochon. Il faudra que tu reprennes ton merde, microphone parabolique. Normalement les mailing émettent des sons. Fanny, tu nous préviens si ça attaque s'il te plaît. Où êtes-vous? Que voulez-vous? Quel âge avez-vous? Quoi donc? MF5 confirmé. Ok, nickel. Oh merde. Ça attaque. Oui. Dans l'escalier, puis je vais me planter. Ici, ici, à gauche. J'étais même pas planqué, c'était chaud. C'est bien brûlé. Bon, bah on n'aura pas trouvé l'os ni le l'objet de la cursette par contre. Hein. Mais bon, c'est déjà ça. On a accompli tous les objectifs, on sait que c'est un mailing. Mais l'école, c'est compliqué. À l'école, c'est compliqué, effectivement. Mais on a tout ce qu'il nous faut. Nous pouvons y aller gaiement. Parfait. Ah, ça va sentir bon dans le camion, c'est bien. Est-ce que nous avions raison? Bah évidemment, évidemment qu'on avait raison. Eh ben en attendant les amis, c'est ici qu'on va se quitter pour cette petite session de Phasmophobia. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du cochon, à la chaîne sur laquelle vous avez regardé cette vidéo également. Le commentaire en dessous qui va bien, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à nous suivre également sur Twitter, @MrGamingFrench et @Valmore333. Salutations de l'infini.